Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr, sur une ouverture de display, comme vous voyez peut-être en bas. Putain, j'ai plus de batterie, c'est pas grave, on va se démerder avec. Au pire, il y aura une petite coupure, c'est pas grave. Donc, on va ouvrir aujourd'hui une display Evolution. Donc, j'ai déjà enlevé le plastique qu'il y avait autour. Et on va se prendre la moitié. Ah ouais, en fait, non, en fait, il n'est pas tout à fait éteint l'écran. La moitié du display et l'autre moitié dans une autre vidéo. Donc ça fait pas tant que ça, ben, ça en fait 18 je crois. Ou 32. Ça fait 15, 16 je crois. Je sais plus. Ouais. Donc voilà, il y a à peu près, il y a toutes les illustrations. Donc j'ai vraiment pas trié parce que moi je vais les ouvrir toutes tout de suite. Et puis après, moi je vous les mettrai en deux parties sur YouTube. Voilà. Donc hop, on va commencer par une illustration Megator Tank. Allez hop. Donc c'est la dernière parce que après je n'en ferai plus. Parce que personnellement les autres séries ne me plaisent pas du tout. Personnellement. Donc ouais. Ok, hop. Hop. Donc si vous voulez des numéros, des codes, je les donnerai si. D'un que en message privé, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un peu con de les mettre en message normaux. Donc un soporifique, chenipan, fantominus, topiqueur, salamèche. Donc voilà, donc seulement en message privé, comme ça je peux vous les renvoyer en message privé. Donc pas de problème, il y a moins de problème que après, en gros, vous venez me voir et ben, vous m'envoyez un message et vous me dites ah mais on me l'a pris et tout. Donc c'est plus efficace. Oh, on commence avec un Mega Flagados X. Je crois que j'ai déjà eu celui-là. Donc super cool. Mais bon, moi c'est vrai que je les aime pas, les X et tout ça. Je préfère les normales. Tant pis. Tac, près des évoluants. Et là, comme vous voyez, c'est vraiment en français. C'est superbe. Mais bon, on a bien commencé quand même. On commence par une X. C'est super. C'est cool. C'est la fête du slip. C'est super. Franchement, c'est super cool. Non, franchement, on peut pas dire que c'est mauvais, alors que c'est plutôt bon. Par contre, je trouve que par rapport aux anglaises, elles se défont pas tout à fait pareil, je trouve. Donc, c'est un peu dommage. J'aimais bien les autres. Hop. Donc, hop. J'en ai plein, hein, des codes, si vous en voulez. Parce que je vais peut-être pas tous les utiliser. Je vais même peut-être même pas en utiliser du tout. Donc, Ratata, Topiqueur, Fantominus. Je suis bon, hein. Ouais, je suis bon. Fantominus, Chenipan, donc je vais essayer de faire mon maximum pour que ce soit propre. Énergie électrique, un petit sac de deux en reverse et un Lamantinora. Hop, une potion et un Chrysacier et un indice du professeur Chen. Donc ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que ça fait pas longtemps, là, ça fait assez longtemps je crois pour moi que ça fait que j'en ai pas ouvert. Mais c'est vrai que là, elle s'ouvre beaucoup moins facilement que les anglaises. Les anglaises, j'avais plus de mal à les ouvrir en quelque sorte, enfin moins de mal à les ouvrir proprement, on va dire. Donc voilà, donc tac tac. Donc un Nidoran, je sais que c'est un peu con parce que les nouveaux sont sortis là, Soleil et Lune, mais perso moi j'aime pas ce qu'ils ont fait, c'est plus ce que c'était avant en fait, et c'est ça qui me manque moi. Donc Ratata, Electek, Magikarp, Dracaufeu en reverse. Donc, ah putain, elle est magnifique celle-là. Elle brille super bien et tout. Et un petit canard tichon en rare. Avec un Magmar et un Pikachu Surfer. Je crois que c'est le seul qui me manquait en secrète. Il me semble, parce que j'ai eu Pikachu volant plusieurs fois. Mais le Pikachu Surfer, je ne l'ai pas eu. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais il me semble qu'il me manque un Pikachu. Donc Détermination d'Ondine. Donc c'est super sympa. Donc, tac. Je sais que les secrètes sont pas si secrètes que ça dans cette série. Donc c'est plutôt sympathique. Tac. Donc un petit Machoc, un Caninos, un Pikachu. Oh oh oh, et un truc là. Une énergie psy, un Salamèche, un petit Tar et. Ah non, un électrode en rare. Ok, un Machopper, un Total Soin et un Esprit Lien Spirituel Florizarre. Ok. Bon. Donc, tac, tac. Ouais, c'est vrai que sur cela, c'est plus simple en fait de faire. Ah, non.
finalement c'est pas... Ouais, c'est... ça marche pas toujours bien. Hop, tac. Donc, hop, les codes, je les filerai plus tard si on me les demande. Donc, un Pikachu, un Magnéti, un Ponyta, un Savelette, un Goupix, un Échange en Reverse et un Méga Florizarre X. Je crois que je l'avais pas celle-là par contre. C'est super joli. Elle est jolie, elle est bien faite, mais je préfère. De toute façon, il n'y a pas chier, je préfère les autres. Celle-là par exemple, Smogogo ou un rappel. C'est bien. Oh, une autre secrète. Par contre, celle-là, je l'ai déjà eue plusieurs fois. Elle est super belle. Donc voilà, franchement, c'est. Ouais. Donc, elles sont vraiment très très belles, ces cartes. C'est magnifique. Elles sont vraiment très très belles. Donc, tac. Donc, j'ai trois micros qui enregistrent actuellement le son. Je prendrai le meilleur. Donc, il y a le son de mon micro-cravate, que vous voyez peut-être pas, il est juste ici. J'ai le son de lui et j'ai le son de là-bas. Je pense que mon micro-cravate enregistrera bien mieux le son. Mais, voilà. Donc, un petit Goupix. Un petit... Ah, mais j'ai pas enlevé le code. Hop. Un petit Electek. Un petit Soporifique. Un petit Ponyta, un petit Nidoran, un petit Dodio en reverse et un Dardanian rare. Un lien spirituel Roucarnage, un lien spirituel Tortank et un autre échange. Donc orange, moi je les laisse devant parce que je vois pas l'intérêt de les foutre ailleurs. Dans la deuxième partie, peut-être que je les laisserai encore là parce qu'en gros je vais vous ouvrir tout le display maintenant. Mais... Ben, maintenant, pour moi, mais vous en plusieurs parties, donc certainement à deux semaines, à une semaine d'intervalle, les deux, et puis voilà. En gros, ça va être juste comme ça. Donc, tac, tac, hop, un petit Onyx, avec un petit Starry, un petit Dodio, un petit Aspico, un petit Machoke, un Spread des évoluants, un Lamantinora, un indice du professeur Chen. Crisacier et échange. Donc le suivant, tac tac tac. Quoi, midi et quart, ouais, c'est parfait. Hop. Donc, hop, la carte. Donc n'hésitez vraiment pas à me demander hein, en message privé pour les codes. J'en donnerai quelques-uns. Déjà donné deux, je sais pas si la personne les a eu ou pas. Donc énergie combat, Magikarp, Onyx, Sabelette, un Phantomidus en reverse et un autre électrode en rare. Avec un spectrum et une récupération d'énergie et un conconfort. Ok. Tortank normalement devrait avoir quelque chose parce qu'il me semble que les Tortank sont légèrement plus chanceux que les autres paquets. D'après ce que j'ai compris. Hop. Donc ça c'est une ouverture assez propre mais qui est plus longue que les autres. Normalement je suis plutôt bon. Allez, un petit Otaria, un petit Tar, un sac de nœuds, un Voltorb, un énergie fée, un énergie feu, ok. Deux énergies l'une derrière l'autre, ça ne me dérange pas. Et un Ratatak en rare, ok. Avec un entretien, un Tartarp et un Vaillance de bière, ok. Ok, ok. En fait, là, vraiment, je vais essayer de faire une vidéo la plus courte possible pour éviter de perdre du temps, en fait, au final. Hop, bon, bah, celui-là, il va vraiment être dégueu. Tac. Donc, on passe sur la suite. Un petit Magikarp, un petit Soporifique, un petit Chenipan, un petit Phantominus. Il y a une petite Reverse. Un Topiqueur. Oh, elle est jolie, celle-là. Il me semble qu'à l'époque, elle était en holo. Elle était en holo. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Même en vidéo, je l'avais jamais vue. Putain, elle est super belle, celle-là. Magnifique. Le petit Fenard Reverse, excellent. Ah bah ouais, mais bon, derrière, on a un Canartichaud en rare. Hein. Spread des évoluants, Vaillance de pierre et lien spirituel Flagados. À la suite. Franchement, c'est la première fois que je l'ai et je la trouve mais magnifique. Je me rappelais pas qu'elle était comme ça. Bah, à peu près, je me rappelais qu'elle était comme ça. Mais pas tout à fait, donc c'est pas grave, hein, ça me dérange pas. Mais bon. Un Sabelette, un Voltorb, un Magnéti, un Chenipan, un
Ratata, et ça se casse tous la gueule. De toute façon, je vais tout trier après, hein, les gars. Donc, on va se calmer de suite. Hein. Donc, voilà, il y a quand même 36 ou 38 boosters. Je sais pas combien il y en a exactement au total. Donc, ouais, ça va faire quelques cartes. Donc, un petit soporifique avec un méga Florizarre X. Donc, l'autre, c'était la full art, oui. Et celle-là, normale. Ok, donc, on aura eu les deux dans l'ouverture. Pardon. Pour ce... Je couperai la caméra, je pense, parce que... Parce qu'en gros, j'ai ma caméra qui s'est cassée la gueule. Je sais pas pourquoi, j'ai dû bouger un peu la table. Donc, un méga Florizarre X. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, tac. Spray des évolutions. Non, total soin. Lien spirituel Florizarre. Donc, on a eu le méga Florizarre X et le méga Florizarre X full art. Donc, c'est plutôt sympa. Et une potion. Bon, on passe à la suite. On a combien? 11 minutes de vidéo. C'est plutôt cool. Tac, tac, tac. Donc, hop. On enlève ça de là-bas dedans. Et hop, on enlève les cartes. Hop. Donc, le petit fenard. Oh, 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 j'ai vu un truc. Donc, petit Goupix, le petit Nidoran, le petit Caninos, le petit Ratata, le petit Kali... Electek. Electek. Le petit Onyx. Et... Oh, mais je l'avais déjà, celle-là. Et le Dracolos X, donc qui est vraiment très, très joli. Très, très, très joli. Franchement, elle est plutôt pas mal. Je l'aime bien. Détermination d'Ondine. Rappel et Midorino. Donc, on va essayer de faire un truc plutôt propre, plutôt rapide. Il en reste plus que 5-6 avec celui-là. Donc, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc, tac, tac, hop. S'il faut, j'irai chercher des batteries pour pouvoir finir ma vidéo. Hop. Donc, un Ponyta, un Nidoran, un Notaria, un Topiqueur, un Tétarte et un Vaillance de Pierre en reverse avec un Staros en rare, bon tant pis, un Lien Spirituel Tortank, un Échange, un Match Hopper. C'est vrai qu'on a eu que quoi, deux secrets je crois dans ce début en fait, mais bon, c'est pas très grave non plus, mais c'est pas énorme non plus quoi, on va dire, c'est à moitié quoi, c'est un verre à moitié vide. Ou à moitié plein, ça dépend comment on voit la chose. Mais ouais, c'est vrai que ça fait pas beaucoup pour la moitié d'une display. Donc ouais. Donc tac. Donc un petit Machoke. Ah merde. Un petit Pikachu. Un Magnéti. Un Ponyta. Un Sabelette. Touk touk touk. Un récupération d'énergie en reverse avec un trio piqueur en rare, ok. Un Spectrum et un Pikachu volant. Donc voilà, si j'avais ni l'un ni l'autre, bah maintenant j'ai les deux. Parce qu'en gros, il me semble que j'avais pas l'un des deux, maintenant j'ai les deux. Ça devient logique, vu que j'ai eu les deux dans cette vidéo. Donc là, ça fait la troisième secrète. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a eu Pikachu volant, Pikachu surfeur et c'était quoi le troisième Et il y a eu aussi... comment il s'appelle? Il y a eu aussi... la Team Rocket. Voilà. Les méfaits de la Team Rocket. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a Aspico, on a Onyx, on a Astari, Pikachu, Dodio, Elector en reverse. Je l'avais pas, celle-là, je crois. Elle est super belle. Elle était pas mal à l'époque déjà. Elle était plutôt jolie. Ouais, là, il y a un petit trait ici. Là. Juste en haut. Je sais pas si vous le voyez. Peut-être pas parce que la caméra, elle fait de la bonne qualité, mais pas non plus au top. Là, je vois un petit trait blanc en haut. Bon, c'est peut-être une erreur. Oh, un petit Mewtwo. Celui-là, je l'avais déjà, celui-là. Donc voilà, plutôt sympa. Donc récupération d'énergie, co-confort et lien spirituel Rocarnage. Donc il ne reste plus que 3 boosters pour finir cette vidéo. Et après, moi je vais refaire une autre vidéo derrière, mais je ne vous la posterai pas en même temps. Voilà. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à me demander les codes. Je vous enfilerai, mais il faut les demander en message privé. Ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mal et j'ai pas vraiment envie de m'en servir. Donc, pardon. Énergie fée,
Onyx, Starry, Dodio, Aspico, Energy. Oh, le Mew. Pardon. Le Mew en holographique. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. Le Mew Holo. Vraiment très très jolie. Je ne l'avais pas. Elle est vraiment très très jolie. Donc franchement, elle est magnifique. Ok. Donc lien spirituel, Dracaufeu, le Tétarte et l'entretien. Bon, parfait. Franchement, je complète bien cette série. Donc c'est l'avant-dernier booster pour cette vidéo. Donc on va faire cette vidéo en une en fait. Je vais faire toute la display en fait en deux vidéos. Et je vous les posterai par contre, je pense, à une semaine d'intervalle, parce que c'est vrai qu'il y a la nouvelle série qui vient de sortir là, de Soleil et Lune. D'ailleurs, le jeu, je l'ai terminé, mais moi, c'est vrai que j'aurais voulu vous faire des vidéos dessus, mais je ne peux pas parce que j'ai pas de capture board et ça m'aurait fait bien chier de m'emmerder à essayer de trouver un moyen de capturer pour que ce soit propre, on va dire. Mais bon, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo dessus. Donc, un Voltorb. Un énergie feu, un Goupix, un sac de nœuds, un Machoke, un Pikachu en reverse et un Rattata en rare. Bon, c'est pas grand chose. Est-ce qu'on va avoir quelque chose dans le dernier truc Spectrum? Et puis voilà. Donc on n'a pas eu grand chose sur cette partie. Donc ça me fait un peu, c'est un peu dommage. Donc j'espère quand même que c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi perso, je pense que je vais pas continuer les collections, parce que franchement, moi il y a vraiment que les cartes de base qui m'intéressaient. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté en fait quand j'ai j'ai commencé à grandir en fait. Parce que ça me plaisait plus et parce que les cartes étaient moins belles que quand j'étais gosse quoi. Donc voilà. Magikarp, Otaria, et puis aussi parce que j'ai grandi. Mais bon, ça me plaît toujours autant Pokémon. Donc, petit art, sac de nœuds, Voltorb, un lien spirituel Rocarnage en reverse, et un... Oh ! Méga Rocarnage X Full Art. Donc, je l'ai déjà eu, celle-là. Très, très jolie. Vraiment très, très jolie. Donc, hop, double énergie, incolore. Ok. Un super potion et un Reptancell. Un Reptancell tout court. Donc voilà, on a fini l'ouverture de la moitié de la display. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit beaucoup de choses. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de l'ouverture. Moi je vais la faire tout de suite, mais vous l'aurez la semaine prochaine. Donc voilà, laissez un petit j'aime. Et puis voilà, laissez un petit j'aime ou un petit j'aime pas, ou commentez pour me dire ce que s'il y a quelque chose qui irait mieux. Mais sachez que c'est les deux dernières vidéos que je fais de cartes Pokémon, parce que pour moi c'était vraiment un rappel de ce que je connaissais quand j'étais gosse. Et donc voilà pourquoi j'ai fait cette série et pas une autre, voilà. Donc voilà pourquoi. Mais sinon, j'en ferai pas d'autres. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Plutôt gaming, parce que moi je suis plutôt gaming. Ou IRL, en gros en voiture. Ou sur Pokémon Go aussi, ça m'arrive un peu par contre. Parce que ça, il n'y a pas besoin de payer pour y jouer aussi. Alors que là, on est obligé de payer pour acheter des boosters et tout le reste. Donc c'est un avantage, voilà. Donc voilà, en quelque sorte, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous aimez la vidéo et à vous abonner pour voir la suite des autres vidéos. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !